spéciale dédicace au vapoteur en colère qui ne lâche pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre l'humanité. Et souviens-toi que vapoter n'est pas fumer. Je le sais. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux, je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver. Donc aujourd'hui, on fait la revue des liquides e-liquide France, la gamme Fruiz, qui se veut une gamme assez fraîche. C'est du 30-70, donc 30 PG, 70 VG. Bon, l'étiquette, c'est des pros. Hein. L'étiquette, elle est comme elle doit être. Pas de problème de ce côté-là. Et en plus de ça, j'ai déjà fait des revues sur leur boutique. Donc, c'est une boutique en laquelle j'ai personnellement confiance. J'ai eu deux gros coups de cœur sur leur gamme d'avant. C'est-à-dire le Relax et le Suprême, qui sont pour moi des tabacs gourmands très agréables à vaper. C'est des rares liquides que j'ai recommandés après. Donc, je suis retourné acheter. Ils me l'ont envoyé gratuitement, mais je suis retourné l'acheter. Donc ils m'ont envoyé 3 liquides en 10 ml, 3 échantillons, et un gros, voilà. Et j'ai eu la chance de recevoir avec le petit présentoir Fruiz de la gamme, voilà. Donc à la fin de la vidéo, je ferai les tirages au sort de mes concours. Ça, je le laisse là. Parce que je trouve que c'est joli comme tout. Voilà. Donc ça fera partie de ma déco. Voilà. Et on fera le tirage au sort à la fin de la vidéo. Et merci en tout cas de m'avoir envoyé les liquides. C'est super sympa de votre part. Pour une petite chaîne comme la mienne. De pouvoir vous faire découvrir ces liquides. Voilà. On va commencer avec le cola pomme. Sur mon Alliance V2. On humecte bien, histoire de profiter du liquide. C'est quand même très frais. Très, très frais. Ouh. Au niveau hit, il a pas à se plaindre. Hein. Même en zéro, à mon avis, là, c'est du 6. Mais alors, vous gardez le frais en bouche longtemps. Hein. La pomme, on la sent, elle n'est pas hyper présente. Le cola est relativement présent, lui, par contre. Mais alors, le frais, il embarque la gorge. C'est, si vous n'aimez pas le coulada, vapez pas ça. C'est extrêmement frais. Mais en même temps, c'est le but de la gamme. Waouh. Frais, frais, hein. La gorge congelée. Après, il est bon. Sincèrement, il est bon. C'est intéressant comme liquide. Celui-là, je vais le vaper. On passe au citron cassis. Je suis déçu, je sens pas le citron. Je sens que le cassis, il est frais. Ce qui enlève un peu de ce côté chaleur du cassis. Je sens que le cassis. Sens pas le citron.
Ni au début, ni à la fin. Cassis l'emporte. Après, c'est que mon avis, hein, mais je sens pas le citron. Non, celui-là, il me convainc pas plus que ça, celui-là. Allez, on passe au cassis mangue. Alors, j'adore la mangue. J'aime moins le cassis. On verra bien. J'espère qu'on sentira plus la mangue qu'on a senti le citron. Ah, il est beaucoup mieux équilibré celui-là. On sent la mangue. Le cassis est moins présent, la mangue est dominante. Il est frais, moins que le premier, mais il est frais. Ouais, celui-là, je le vois prêt. Alors là, citron, orange, mandarine, dans le grand format, pour vous expliquer la différence entre le grand format, c'est du zéro, hein, et le petit format, voilà. J'en ai reçu un en grand format, je suis content, et espérons qu'il soit bon. Je le donnerai à ma femme, de toute façon elle va pas en zéro, ou alors je le nicotinerai pour moi s'il lui plaît pas. Mais c'est sympa un grand format comme ça aussi. Il en faut pour tout le monde, hein. Les grands formats plutôt pour les vapoteurs comme moi qui aiment la vape aérienne, mais j'aime aussi la vape serrée. Mais et les petits formats plutôt pour les vapoteurs qui veulent promener leur fiole, parce que promener un truc comme ça, c'est pas super évident, mais c'est joli. Il y a un peu d'amertume. Il y a un peu d'amertume. Je pense qu'il y a plus de zeste que dans l'autre. Ouais, il y a du zeste, pas de doute. L'orange et la mandarine sont plus présents que le citron. J'en ferai pas une folie. Il est bon, mais j'en ferai pas une folie. Voilà. Mais il est bon. Allez, donc déjà, je tenais à remercier e-Liquid France pour les liquides. C'était une belle découverte. Il y en a deux que je vais après sans problème. Les deux autres qui m'ont un peu moins convaincu, que je donnerai sûrement à un ami, ou ça sera pas perdu, quoi qu'il arrive. Ça dormira pas dans un tiroir. Ensuite, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, remercier mes abonnés. Et maintenant, vous annoncer qui gagne l'Origo CVB. Donc cette box avec cet atto intégré, que j'ai gagné à un concours, que j'ai décidé de ne pas garder pour moi car c'est pas ma vape et c'est pas celle de ma femme. Donc autant en faire profiter quelqu'un. C'était l'occasion de faire mon premier concours. Et donc le gagnant de ça... Tirage. Alors, le nom, c'est Marlin 10980. Donc, Marlin 10980, tu m'envoies un message via YouTube. Comme ça, j'aurai la preuve que c'est bien toi. Tu me donneras ton adresse, je t'enverrai ça. Et tu le recevras. Voilà. On va passer au tirage maintenant de la gamme de liquide. Donc maintenant on passe au concours pour la gamme T-Juice, toute la gamme que T-Juice m'a offert au Vape Expo, et j'ai décidé d'en faire un lot. Donc on passe au tirage au sort, c'est parti, roulement de tambour. Donc Marilyn Darge,
Marilyn Darge, tu me contactes sur Facebook, tu me donnes ton adresse et je t'enverrai la gamme T-Juice. Voilà. Allez, à ciao les papotos.